bienvenue dans le live. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un petit peu le bordel. D'accord? J'appelle ça le bordel. On va s'enfoncer dans le centre-ville de Marseille. Là, je regarde d'abord par où on passe. Il faut que je chope l'arrêt de tram. Donc, je descends cette rue. On va continuer tout droit à pied. Bon, découvrez avec moi Marseille. Bon live à tous. Bon, je dis le bordel parce que c'est Marseille. Hein. Donc, Marseille, c'est le bordel. Genre du samedi, dimanche, samedi plutôt. Pas beaucoup de bus. Je vais essayer de choper le tram pour descendre vers le vieux port. Allez, on se tape Marseille à pied. On est chaud là. Je me suis mis en tenue de sport. Donc on va captiver tout ce qui passe. Pas vraiment dans le centre-ville pour l'instant. Alors, l'arrêt de tram n'est pas loin. Un arrêt de tram ici. Les arrêts de bus, il n'y a pas de bus. C'est énorme Marseille, les gens. Énorme Marseille. Alors, ceux qui veulent visiter un petit peu Marseille, sur la page, restez sur le live. Bon, le bus, pour l'instant, pas de bus. J'ai pas le temps pour attendre le bus, moi. J'ai pas vraiment le temps pour attendre le bus. On va se débrouiller à pied. Donc, un petit peu de topo. On fait un petit peu de topo ici. Je vais prendre celle-ci. Je cherche l'arrêt de tram. Comme ça, je prends le tram jusqu'au centre. Alors, est-ce qu'on prend la bonne rue? Yes. Donc, c'est la rue Brandy, rue Brandy, Marseille. J'espère qu'on va pas se faire tirer dessus, parce que ici, il y a des coups de feu à tout va. Bon, pour l'instant, on passe pas dans un quartier chaud. Hein. Donc, tranquille, on va se calmer un peu. Et en même temps, je connais pas les quartiers chauds ici.
Donc, je sais pas où vraiment je vais foutre les pieds. Putain, c'est le bordel. Eh, les amis, vous vous rendez compte de ce que c'est Marseille? Regarde, les gens, ils fouillent les poubelles. C'est triste, hein? Regarde, regarde. C'est triste. Franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Ah, ça fait mal au cœur. Ah ouais, quand t'as une famille, quand t'as toute une famille pour la nourrir, ben, t'as besoin de te lever le matin et charbonner comme un fou, travailler comme un fou. Eh oui, c'est comme ça la vie. Alors là, pour choper... l'arrêt des trams, ça va être une histoire. Putain, il fait chaud ici, hein. Oh, les Marseillais, il fait très chaud, il fait trop chaud ici. Alors, qu'est-ce qui nous donne position de GPS? Bon, on a l'arrêt de tram à portée de main. Pas loin. Hein. Pas loin. On fait droite, droite, gauche. Et là, on est à l'arrêt de tram. Putain, mais c'est plus sale que Paris. Hein. C'est plus sale que Paris. À côté, Paris est propre. Je te le jure. À côté, Paris est propre. Ça pue la pisse. Ça sent la merde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont sur le live. Salam alaikum. Donc, je dis... Ok. Ici, on fait droit, gauche, tout droit, gauche, et on tombe à l'arrêt de tram. Faut pas se tromper ici parce que. Mais voilà, vous inquiétez pas, la topo, moi ça me parle. Bon, les amis, vous allez découvrir Marseille, restez là. Vous faites profiter. De tout passe autour, donc restez connectés. Ok, alors on doit voir l'arrêt de tram ou l'arrêt de bus. Bon, c'était le bus ou le tram? Volontaire homicide. Ah, c'est le bus. Si c'est le bus ici, là. Ouh. Ok, là on est... dans la grande ligne. Bon, je vous montre un peu. Voici Marseille. Vous avez vu? Donc nous, on va descendre.
Donc, il n'y a pas de bus aujourd'hui, bordel de merde. On va sortir les doigts du cul tout seul. Mais ça me dérange pas. Salut tout le monde, ceux qui sont sur le live, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne journée. J'espère que vous passez une très belle journée. Bon, je vais tracer à pied comme ça. Alors, je prends un azimut. Ok. Je vais couper ici. Alors, si je coupe là, on va tout droit, intersection. Donc, je vais couper comme ceci. Là, on va s'approcher. Un peu plus dans le centre du vieux port, Marseille, ghetto. Putain, je vais prendre un coup de porte ici, moi là. Hein. Ici, les gens, ils regardent bizarre. On dirait qu'ils n'ont jamais vu un noir à Marseille qui marche. Putain, bordel. Hey, on est en 2021 là-haut. Il y a des gens bizarres ici. Ils te regardent bizarre. Je sais pas s'ils sont racistes ou... Il n'y a rien à cirer. Alors, point topo, on continue toujours tout droit. Bon, bien sûr, je vais regarder partout parce que je sais pas quel quartier je passe. C'est vraiment chaud ici, on se fait tirer pour n'importe quoi. Donc, de toute façon, celui qui va faire le show avec moi, il a intérêt à me tuer. Parce que je lui laisserai pas me tuer facilement, quoi. Je crois que c'est avant-hier, il y a eu des coups de feu ici. À Marseille, ça tire toujours, tous les jours. Ils s'entretuent. C'est fou ça. Hein? Gang. Tête d'embauche. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, les amis, ceux qui sont sur le live. Faites en sorte que jamais dans votre vie. Dans votre retraite, que vous ayez un entretien d'embauche. Toujours bosser. Ne lâchez rien. Charbonnez à fond. Parce qu'on n'a qu'une vie, les amis. Il y a Dieu, le travail. Deux choses. Le reste, on s'en bat les couilles. Alors moi, je vous le dis. C'est comme ça qu'il faut charbonner, les amis. Pour réussir, c'est comme ça qu'il faut charbonner. Alors, ici, on va continuer tout droit. Tu vois, là, ici, il y a des vendeurs.
Ouais, à pied, à pied, à pied, à pied. Donc, là, on va faire droite, gauche. Là, on fait droite, gauche. On prend une route et on descend direction le vieux port. Une ligne droite. Eh, hey Marseille, je te fais à pied, bébé. Je te fais à pied, bébé. Oh. Bébé. Oh. Comme ils disent. Bébé, ouais, franchement, là, ça va pas le faire. Hein. Et là, si je dis que l'OM va pas gagner le prochain match, ils vont tabasser, vous pensez? Je vais me faire allumer la gueule. Je dis PSG. PSG. Je peux rester assis. Volontaire et homicide. Je ne pas un génocide. Ah ouais. Oh les Marseillais. Bon les amis, ceux qui sont à Marseille là, manifestez-vous. Mais là je vous dis, c'est une vraie poubelle. Hein? Ah c'est le bordel. Regarde-moi ça. C'est le vrai bordel ici. Ça pue la merde. Il y a plein de merde partout là. On dirait un dépotoir là. C'est pas possible. Hein? Moi en tout cas je pourrais pas vivre ici, c'est mort. Ah oui. Putain, comment ils font pour vivre ici là? Pas possible ça. Ah ouais, c'est dingue là. En plus, ils savent pas rouler, c'est ça le pire ici. Les Parisiens et les Marseillais, c'est pareil, ça roule pareil. C'est le vrai bordel. Ils peuvent t'écraser, mais ils passent. Hein. Je vais regarder un petit peu vos commentaires, les amis. Alors. Bon, s'il n'y a pas de commentaires, c'est super. S'il n'y a pas de commentaires, ça m'arrange. Comment ils font pour vivre ici? La question que je me pose, comment ils font? Comment? J'ai l'impression que c'est une déchetterie le bordel là. Alors. On fait un point topo. Bon, on s'approche. Hein. On s'enfonce de plus en plus dans la ville. C'est pas la mer à boire. Top, top. Mon répertoire. Mais comment tu le prends?
Ouais, bah tout de suite, le verre, je vais encore plein, moi. Je disais ça, genre. Alors, si on arrive sur quelle place, on va regarder la place. Alors, c'est quoi cette place? Ok. Place Jean Jaurès, Marseille. Ok. Maintenant, il faut qu'on cherche la direction pour aller au centre. Oh, je suis presque auprès du vieux port. Alors, si. Bon, je vais visiter vite fait la place. Oh, c'est la place pour les enfants. Hein. Terrain de jeu pour les enfants. Oh, c'est cool ça. Ouais, c'est cool ça, un truc. Voilà la place, place Jean Jaurès, Marseille. Oh, les Marseillais. Voilà, terme ici. Il y a la gare. Il y a la gare pas loin. Donc on va descendre à la gare. Marseille Saint-Charles. J'essaie de vous montrer la gare de Marseille. Ils savent très bien que je suis meilleur. Ouais, nous là j'ai vu à Steha. À Sinti à Bijiwa. Alors, attendez, je vais faire un truc vite fait. Putain, ah mais c'est le vrai bordel. C'est le vrai bordel ici là. Bon, là on va descendre. On va choper la rue pour qui va direction la gare Saint-Charles. Putain. Quel bordel. Bien sûr, ça sent la bœuf.
matin. Alors ça, c'est quoi ça? Ah, c'est lui qui fume. Ça, France Musique en public direct conservatoire du vendredi, jazz comédie. Ah d'accord. Bienvenue à Marseille les amis, bienvenue à Marseille avec moi. Je vais visiter une partie de Marseille. Donc là, direction la gare Saint-Charles. Oh putain, c'est blindé là. Oh, oh. Oh putain, c'est le bordel. À tous les coups, il y a une manifestation. Je vois des drapeaux. Peut-être une manifestation. Allez, on va suivre le mouvement. Manifestation les amis. Bon, on va essayer de capturer un peu tout. Ça y est, en pleine manifestation les amis, Marseille près de gare Saint-Charles. Putain, mais combien de voitures de police que je vois là? Trop de voitures de police. Ah, il y a le QG juste dedans. Wow. Oh putain, mais ils ont bloqué tout là. Là, tu vois, pas une bonne idée pour venir à la gare. Hein. Oh putain, c'est le brin, le bordel. Oh, bienvenue à Marseille les amis. Hein. Vous avez vu ce bordel? Bon, on va aller voir la manifestation. Quand tu regardes bien. Alors, on va suivre le mouvement de la manifestation. Vous
les policiers se promènent tranquille. Hein. Restons réveillés, donnez vos jambes de tortage, mesdames et messieurs. Venez marcher avec nous pour montrer que nous ne sommes pas d'accord. On va à Zibou, on va pour la corde, pour nous déplacer. On va consommer un café au bar. On a des chenilles. Jamais vous résisterez. C'est le bordel. Oh, les Marseillais, arrêtez de bloquer tout là. Là, on va remonter un petit peu le futal parce qu'il descend. Eh ouais, ici. A, B, C, D. Bon, là, les amis, Marseille Saint-Charles, gare Saint-Charles. On va monter jusqu'à la gare. Je sais pas, c'est une manifestation. Pourquoi? Je peux pas vous expliquer, les amis. Hein, c'est pourquoi. Mais c'est pas grave. Toujours ça. Pour l'instant, il y a pas de baston. Est-ce que c'est bien la gare ou je me suis trompé? On va aller voir. Oh, il me barre la rue. Ah, moi je fais pas la grève moi. C'est où? Pour faire le tour là? Ah, il faut faire le tour. Oh, j'espère que quand je vais aller là-bas, ils vont pas me dire qu'il faut faire encore le tour. J'ai envie d'aller voir derrière. Ah, effectivement, tout le monde fait le tour. C'est le bordel. C'est garé. En fait, ce qui s'est passé, les keufs, ils ont bloqué les manifestants en bas. Et du coup, obligé de contourner le dispositif. C'est le bordel ici à Marseille. On peut jamais être tranquille ici en fait, hein. On vit dans un film. Marseille, on vit dans un film.
là c'est la gare normalement. Bon, la gare. Putain, mais c'est encerclé. Marseille, Marseille bébé. Voilà les amis, où nous sommes, gare Saint-Charles. On va voir ce que ça donne. Et là-bas, en bas, il y a la manifestation. Vous voyez. Ok. Et bien sûr, Marseille, bébé. Marseille bébé oh. Marseille, Marseille bébé oh. Eh oui, gare Marseille Saint-Charles les amis. N'oubliez pas, ici on y est. Bon, maintenant on peut aller vers le port. On va voir un peu le port. Alors on va essayer de trouver un chemin parce que là tout est bouclé. Donc bon, on va repartir, on va revenir sur notre chemin.
De l'autre côté, on peut passer. On va passer ce côté-ci, là. Là, c'est le bordel là. Juste là, n'importe comment, et à la police devant. Mais bien sûr, très intelligent, très bien. Marseille, Marseille bébé. Descends. Tu sais pourquoi? Oui.
Ouais, y a du monde, hein. Donc on descend le vieux port, les amis. Visitez Marseille avec moi, les amis. Beaucoup de monde. Ok, Marseille, Vieux-Port, les amis, on y est. Ici, le marché. Hein. La savonnerie, fabrication artisanale. Ah, ici, les savons, les amis.